Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, je suis sur Destiny 2. Et maintenant, rien à faire, hein, je m'emmerde. Allez hop, ça part sur un Borderlands. J'ai fait une vidéo sur les skins d'Overwatch et c'était cool. Mais les skins les plus intéressants pour tout le monde, je le pense, ce sont les skins événementiels. C'est l'occasion pour les devs de prendre quelques libertés par rapport à l'univers et de créer des skins au thème de l'événement. Des skins, j'en aime plus que d'autres, voici donc les 10 meilleurs skins événementiels sur Overwatch. Et encore une fois, je précise que ce classement est subjectif, il n'engage que mon avis, alors si vous avez des skins que vous aimez et que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mei est un des DPS qui a la particularité de me casser les couilles. Mais contrairement à Genji, Mei est plus adorable et ce skin de manchot la rend encore plus choupie. Cela me fait penser à un Kigurumi, le drone en forme de pingouin adorable, le petit poisson qui pendouille et ce petit œuf dans l'incubateur, trop mignon. Les skins d'Halloween s'inspirent de plusieurs légendes venant d'Europe. Si on se souvient de Dracula, personnage créé par Bram Stoker, le grand public se rappelle moins de son ennemi juré, le professeur Van Helsing, et d'après le physique décrit dans le livre, qui d'autre que McCree pour incarner ce personnage. Bon, le design est très clairement inspiré du film de 2004 avec Hugh Jackman. Le chapeau, la veste en cuir, les ceintures de munitions et la très jolie arbalète dans son dos sont du plus bel effet. Ainsi que le bras robotique remplacé par une prothèse fantaisiste est un vrai plus. Troisième DPS qui me lébrise sévère, Pharah. Voilà, je les aborde en premier, comme ça ils me casseront plus les couilles pour après. Bien que je la déteste, je trouve que ces skins sont, dans l'ensemble, très bons. Mais j'ai une petite préférence pour la tenue de l'armure enchantée. C'est vraiment un skin tout à fait unique, déjà pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas de tête, de la fumée s'échappe d'un peu partout, ajoutant un effet spectral, mais le petit détail qui tue, c'est que quand elle meurt, son corps se désassemble complètement. C'est comme si ce n'était qu'un fantôme dans une armure, et ça, c'est très bien pensé. Les skins du nouvel an lunaire ne sont pas mes préférés. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être à cause d'une trop grande différence culturelle qui fait que je ne comprends pas les références. Cependant, il y en a un que j'adore, c'est celui du visage fluctuant de Sombra. Bien évidemment, je me suis renseigné et il s'avère que c'est du Bianlian, un art exercé à l'opéra de Sichuan en République Populaire de Chine, qui consiste à l'artiste de changer de masque tout en dansant. Ces masques sont censés représenter différentes émotions et ces changements de masque se font d'un coup de tête en une fraction de seconde. Attention! Du coup, le skin de Sombra, en plus de porter la tenue traditionnelle, change de masque grâce au piratage. Et ça, c'est clairement une des meilleures idées esthétiques que l'équipe ait eue pour un skin tout confondu. Orisa est la nouvelle génération de robots créés par Effie, une brillante fille de 11 ans vivant à Numbani. Orisa a bien évidemment un design africain, et bon, ça c'est mon avis, mais je ne la trouve pas spécialement menaçante. Contrairement à Chopper qui peut t'attraper, Reinhardt qui peut t'empaler avec sa charge ou Zarya qui protège son équipe et augmente ses dégâts grâce à ses boucliers, Orisa n'a pas de compétences et d'apparence intimidante. Mais avec le skin démon, là c'est mieux. Là déjà c'est plus menaçant. Cornes de démon, dents aiguisées, runes démoniaques, flammes dans la poitrine, non seulement Orisa est plus menaçante comme ça, mais j'espère un clin d'œil à ce skin dans Diablo 4. Ah, les skins de Noël. Il y a des ressources à foison, Père Noël, lutin, reine, inspiration venant de différents contes de Noël. Et au milieu de tout ça, t'as Chacal Plage. Alors nous, habitants du vieux monde, nous trouvons ça complètement con. Pour la simple et bonne raison que Noël se passe en hiver. Mais Chacal est australien. Et en Australie, Noël se déroule en été. Bon, alors oui, quand on y pense, c'est très logique comme raisonnement. Mais c'est le genre de logique auquel on n'y pense pas. Et ce skin est la preuve que les devs d'Overwatch n'oublient personne, même ceux qui fêtent Noël en short. Et rien que pour ça, ce skin fait partie des meilleurs. Brigitte est une référence au paladin dans World of Warcraft, une classe de personnage qui a pour but de tanker, soigner et infliger des dégâts, bref le full package. Il est donc tout à fait naturel qu'elle reçoive ce superbe skin de vierge guerrière. Des cheveux blonds avec des nattes, veste en peau d'ours, fléau et bouclier magnifiquement détaillés, avec ce skin je peux tranquillement carry la game. Et au final, je me rappelle que le skin ne fait pas le skill. Dans la catégorie « J'ai les meilleurs skins », Ange se situe en très bonne position. Ses skins sont en général très bons et font l'unanimité, mais s'il y en a un à retenir, c'est le skin de sorcière. Ce skin est sorti lors du premier Halloween et a mis le feu à toute la communauté. Tenue en cuir tanné, une paire d'ailes maléfiques, chapeau de toute beauté, petit grimoire en latin, bourse de pièces pour les détails,
et sorcière oblige, on troque son bâton de médecin contre un balai de sorcière qui sort une rune sur le bout avec un petit logo de soin ou de dégâts selon l'effet qu'on donne, ce skin est une réussite. Contrairement à Ange, je suis un peu plus dubitatif pour les skins de Zenyatta. Probablement parce que sa tête change en fonction des skins, du coup je me sens un peu déstabilisé. Mais, il y a un skin qui a retenu toute mon attention, c'est celui de l'adorateur. Ça, c'est du skin qui pose. Petit tentacule, teinte violet, capuche et orbe avec des yeux, tu sens bien l'inspiration de Cthulhu de Lovecraft, et rien que pour ça, je dis oui. Winston Gargouille, comment ne pas rester de pierre devant ce très beau skin? Pierre, Gargouille, blague de merde, t'as compris, parfait. Dans la famille skin d'Halloween, je m'attendais au traditionnel Dracula, sorcière et monstre, mais clairement pas au dragon. Les cheveux, la jupe aux ailes de dragon, les cornes, les yeux, le feu sur la poitrine, même l'arme avec un œil vivant, tout est bon dans ce skin. Doomfist est un antagoniste avec une très forte prestance. Avec ce skin de smoking, une énorme touche de classe s'apporte avec cette prestance. Simple, mais efficace. Ash en démoniste est très classe, mais lorsqu'elle invoque son Bob, le skin de ce dernier fait clairement la paire avec Ash. Thorbjorn, Jodo, tout le monde a fait la blague, les devs l'ont fait, et juste pour ça, ce skin mérite sa place dans ce classement. En plus, ses armes sont déjouées, et sa tourelle est remplie d'eau, qu'est-ce que tu veux de plus? Un de mes événements préférés est l'anniversaire d'Overwatch. Car c'est l'occasion pour les devs de se lâcher sur les skins, de libérer totalement leur potentiel créatif. Ils m'ont convaincu à plusieurs reprises, mais LE skin qui m'a fait halluciner, c'est Lucio Jazzy. Déjà parce que c'est mon main, hein, Lucio manga sûr, mais sa tenue exosquelette a été remplacée par des instruments en cuivre, sa coupe de cheveux afro avec le chapeau et les lunettes rajoute une classe incroyable, et ce qui m'a fait baver, c'est que lorsqu'il joue sa musique de soin ou de vitesse, sa musique de base est remplacée par un remix électro-jazz qui colle tout à fait à son thème. Ses munitions sont des valves venant des trompettes, un détail incroyable, et je pense clairement que ce skin aurait pu faire partie des skins All-Star tellement il se démarque des autres. Voilà, c'était mon second classement sur les skins d'Overwatch, et je le rappelle, ces choix n'engagent que moi. Si vous avez des skins que vous aimez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à me follow sur Twitch. À la prochaine !